encore un archimage, mais je veux. En fait, je veux pas d'archimage. C'est le truc que je veux vraiment pas. Parce que ça fait aucun dégât. Donc je vais même prendre un knave. Un knave qui a un désavantage plutôt qu'un. Un autre truc qui pourrait être intéressant. Oh putain, j'ai oublié de prendre l'amélioration pour. Oh le con. Oh le con. Ah le con. Bon, bah je vais devoir prendre une rune plutôt. Hop, je peux prendre la dash, je peux prendre Siphon qui me rendrait du mana. Et c'est tout. Donc on va partir sur dash. Hein. Et on vient de waste 300 gold. Ouais, j'adore. Bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu. Mais tu te fous de ma gueule, putain. Ta mère la chienne. J'espère qu'on a le droit aux insultes sur YouTube. Hein. Sinon le robot YouTube il va passer, il va regarder mes vidéos, il va pas être content. Non, parce que j'utilise des insultes assez assez insultantes quand je parle des mamans des ennemis dans mes dans certains jeux. Donc il y a un coffre au bout de ce couloir. Voilà. Ouais, 130 gold. Ils sont passés où mes salles que j'ai eues dans l'épisode d'avant avec deux coffres qui me filaient tous 200-300 gold. Bon, c'est arrivé une fois et alors. J'ai le droit d'en demander. Oh, 230 gold, ça va. J'aimerais bien que quand je lance une putain d'attaque, je lance une putain d'attaque. Mes putains de chiottes. Bon, ça a été le run le plus rentable que j'ai fait depuis un certain temps. Ah, purée, on peut dash dans les airs. La classe. Hop. Hop. Là, dans l'immédiat, je cherche un peu de la vie. Hein. C'est pour ça que je passe en mode chacal. Je ne vais pas taper sur ma table parce que je suis très énervé parce que je viens de faire de la merde. Archimage paladin naïve. Ok, vas-y, fais-toi plaise. Fais-toi plaise, mon gros. J'ai assez pour augmenter les dégâts magiques. Et débloquer l'architecte. Donc je vais débloquer l'architecte. Je sais plus si je vous expliquais ce qu'il faisait. Ce qu'il fait, c'est quand on a une forme de château qu'on aime bien, on la bloque, et lui prend 30% de tous les golds qu'on obtient sur le run où c'est bloqué. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Ah non, 40%. Donc, en gros, on va le voir, on lui dit « Ouais, je voudrais que tu me bloques le château sur le format qu'il était avant. » Et voilà, bah, il le fait, mais en échange, il prend 40% des golds. Ce qui est pas négligeable. Mais tu te fous de ma gueule! Pardon. Là, il y en a un, comment je vais faire?
Alors quand j'appuie sur bas et sauter, j'aimerais bien que tu ne sautes pas mais que tu glisses à travers le sol. Ok. Ok, ok, ok. Super utile comme ça. Plus j'ai mal à l'épaule. Wouhou! Comment j'ai fait ça, je sais pas. Mais c'est trop la classe. Hop. Donc on n'a pas besoin d'aller... On n'a pas besoin d'aller en bas, comme je disais avant de me mettre à bailler. Parce qu'on sait très bien ce qu'il y a en bas. Il y a une partie du château pour un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on est. Ok, donc la porte... bon, la porte du boss final, elle me fait chier. Oh, rien marche pour l'ouvrir. Nanana, il y a un des logos sur la, un des signes sur la porte, on dirait un des mecs que j'ai évité plus profondément dans le château. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Non, espèce d'idiot, c'est pile poil par hasard. Oh. Là. Alors... Je sais plus ce que c'est ça. Ah ok, c'est des espèces de fontaines qui rendent de la vie et tout. Si je m'en étais souvenu, je l'aurais pas utilisé tout de suite. Vu que j'étais un peu... il manquait que 2 points de vie quoi sur 240. C'est pas la meilleure utilisation. Qu'on ait pu en faire. Là je vais galérer 50 ans pour passer cette salle. Je déconne, c'est trop facile. Je déconne. Si je fais de la merde, ça va aller moins vite. Je vous l'accorde. Je suis en mode concentration de l'extrême de la mort, là. Bon, ok, va te faire foutre. Hop, voilà, des thunes. Hop. Hop, on se casse, on a très bien compris que ces salles-là, c'était pas encore fait pour nous. Enfin, je dis ça, mais je vais en rester une dans 10 minutes et je vais encore me faire péter la gueule. Oh non, sérieux, quoi. T'en 10 gold.
Le jeu m'a privé 10 gold. 10. C'est pas rien. Hein. C'est comme 20 mais divisé par 2, je sais. Bon, premier run de l'épisode où je fais plus de 1000 gold. Premier run de l'épisode où je fais plus de 1400 gold aussi, mais c'est 1400, c'est pas un palier très spécifique. Là où 1000, bon, on voit ce que c'est. 1000, c'est 10 fois 100. Pourquoi je... Oh là 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 là. Je m'énerve quand je suis énervé, parce que je suis énervé, ça m'énerve. Ouh, plus de 1500 gold. Ouais, là... C'était pas sérieux. Ta maman m'a péripatée. Yeah. Tellement de projectiles! So many projectiles, much projectiles, waouh! Mais ta mère la chienne! J'espère que mes voisins m'entendent pas parce qu'il est un peu tard. Ah oui, je tenais à vous dire, si vous n'êtes pas abonné à la page de Potinjeu sur Facebook, mais que vous suivez de Potinjeu sur, bah sur YouTube, tout simplement, vous allez remarquer tout simplement que le rythme auquel j'upload et je vous fais des vidéos va être diminué pendant la période des vacances. Tout simplement parce que je serai en vacances et du coup, j'aurai pas mon PC pour enregistrer des vidéos. J'aurai que mon portable tout pourri. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enregistrer quelques vidéos. Et après les avoir enregistrées, je vais les éditer, je vais les... Ok, c'est n'importe quoi cette salle. Je vais les éditer, je vais les mettre sur une clé USB et je vous les uploaderai avec parcimonie pendant les vacances. Parce que je suis un mec sympa quand même et que je pense à vous. Non mais t'es pas sérieux, ta maman... Elle suce des grosses... quenouilles. T'as-tu vu ces belles quenouilles ?